Allez. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 3. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, déjà, j'ai à avoir du son. Ah, zut, c'est là. Ouais, pardon, excuse-moi. Bon. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce qu'on m'entend? Alors, vous savez quoi? On va lancer le jeu. On va faire comme ça, attendez. Salut à tous, à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City. Alors, on se retrouve un peu tardivement pour le live, parce que j'avais pas mal de petites choses à faire. Donc du coup, je vais pas faire deux épisodes comme je faisais habituellement. Mais je vais en faire un gros épisode qui va durer à peu près 1h15. Voilà, jusqu'à 5h30, on est là, on est en live. Voilà, et après ce soir, on reprendra le feel good normal du jeu. Je pense qu'on sera plus très loin de la fin, je pense. Donc je pense qu'on doit m'entendre, mais bon, je pourrais sans doute que je ne sais pas. On va pas bloquer quoi que ce soit. Hein? On va peut-être recharger la page, juste. Il faudra que ça passe trop ramé. Non, continue, on s'en fout. Je voulais que je reste pas comme la dernière fois. Voilà, 3 heures devant l'écran de chargement qui sert à rien. C'est bon. On m'entend. Allez, c'est parti. Du coup, on reprend la campagne des tirailleurs. Et donc voilà. Et du coup, on est parti. Voilà, on est parti pour aller 1h15 de live. Voilà, après maintenant 1h15 et ce soir on fera 2 épisodes. Voilà. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et salut à la deuxième et troisième personne qui est arrivée sur le live. Installez-vous, n'hésitez pas, papotez, profitez-en. N'hésitez pas à me poser toutes les questions. Si vous avez des questions à me poser, ça ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous répondre. Chargement, vous avez pas santé. Non, j'en ai marre d'attendre, je veux jouer. Allez, c'est bien long quand même. Je pense qu'on a dû faire à peu près la moitié de ce... Ouais, j'en étais là, je pense qu'on a dû faire la moitié à peu près. Ah, ça va encore rester encore un chapitre après derrière. Chapitre de tirailleurs, c'est pareil. Ouais. Salut donc Camille, comment tu vas? Comment ça se passe là pour toi? Comment se passe le mois de juillet? Et merci de ta présence. J'arrive, on est tout juste au tout début du live. Ah, je suis mort, ça y est. Je suis mort parce que je viens de voir qu'il y a un truc qui s'est affiché sur mon écran et je cherchais où c'était, si c'était... Vous savez s'afficher, c'était sur mon téléphone ou quoi. Bon, à mon avis, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Et je viens de mourir bêtement, voilà. J'aurais dû le mettre dans le titre, que la galère était là. De toute façon, je galère depuis que j'ai commencé le jeu. Donc c'est le troisième chapitre qu'on fait. Le troisième scénario. Enfin, ça vient du titre. J'ai galéré à chaque passage. Et en plus, j'étais à côté, mais c'est super. Non mais vas-y, je tire dessus, crève pas. Ça va et toi? Eh bien écoute, moi ça va moyennement, parce que du coup, ben, j'étais censé travailler tout le mois de juillet. Et en fait, j'ai pu travailler que les deux premiers jours, puisque je suis en arrêt de travail, vu que je vais me faire opérer du pied à partir de la semaine prochaine, donc voilà. Ça va moyennement, mais ça va. On fait aller, on fait des lives pour patienter. On joue aux jeux vidéo. On y va. Je vais mourir encore. Je vais mourir. Yeah. Quoi, quoi, quoi. Il faut atteindre l'objectif.
Et il est drôle, il faut atteindre l'objectif. Bah oui, je veux bien atteindre l'objectif. C'est l'objectif, il faut pas que j'atteigne. Pourquoi tu tires contre le mur, hein? C'est ici. C'est pas trop grave, j'espère. Non, bah en fait, j'ai, si tu veux, il y a plus d'un mois de ça, je suis parti me promener à la plage. Je me suis fait une égratignure. Donc pour moi, à la base, ces égratignures, c'était pas important, donc voilà. Le problème, c'est que plusieurs jours après, bah, si tu veux, 3-4 jours après, je pouvais plus poser le pied. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je me suis dit, je me suis fait donner un coup en dormant, donc c'est un peu. Et en fait, au fur et à mesure, je ne pouvais vraiment plus marcher. Et du coup, je suis allé voir mon docteur qui m'a dit au départ que c'était une infection, donc qu'on a soigné. Par contre, elle m'a dit que si jamais la douleur persistait, de venir la voir tous les 2 jours. Je te parle de ça, c'était début juin. Donc tu m'étonnes, tous les 2 jours, au bout de 2 jours, j'étais encore de retour chez elle parce que j'avais encore mal. Ça avait désenflé tout ça, mais j'avais encore la douleur. Et plus le temps passe, plus j'avais encore la douleur, que j'ai encore d'ailleurs. Et au bout d'un moment, il s'est dit, ben, on va faire quand même une échographie et une radio pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans à l'intérieur qui pourrait vous faire mal. Et donc on était mi-juin, donc j'ai tout pris les rendez-vous. Les premiers rendez-vous que j'ai pu avoir, c'était le 2 juillet. Donc j'ai pris un rendez-vous dans la clinique de ma ville pour le 2 juillet. Du coup, je suis allé faire mon échographie et ma radio le 2. Donc à la radio, bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Et à l'échographie, ils ont trouvé une épine dans le pied. J'avais une épine dans le pied. Enfin, quelque chose d'encore étrange dans le pied d'une longueur de 14 mm. Situé à 20 mm de son point d'entrée et qui est en train de me faire un accès. Du coup, de là, on prend rendez-vous avec... avec le chirurgien orthopédiste, c'était pas avant le mardi donc, de cette semaine. Bien sûr, j'étais en plein travail, donc du coup, voilà. Et du coup, quand le médecin m'a vu, non, il est trop opéré. Donc l'abcès est en train, je pense, c'est en train de se résorber petit à petit, mais j'ai toujours un corps étranger dans le pied. Quoi. Donc du coup, opération à partir de la semaine prochaine. Voilà. Prochain lundi, opération. Et puis voilà, pendant cette semaine, j'ai marché avec une canne, c'est génial. L'été qui commence bien quoi. En fait de toute façon c'est la continuité de l'année 2021 donc ça change pas grand chose. Voilà comment pour l'ambiance d'un live en 30 secondes. Tu racontes ta live et tu vois. Non mais c'est, oh, c'est chiant ça. Ouais mais j'ai des grenades. C'est des grenades. J'ai les... c'est ça là. Non. Ok. Ah. Allez, on passe au canon suivant. Ah mais j'en ai marre, je me suis tiré dessus là. À la fin du 4, ton mot qu'elle rit aussi à une canne. Ouais. c'est vrai. Je crois qu'ils ont tous les deux une canne à la fin, hein, il me semble. Mais voilà. Ouais, c'est bien, si vous savez, il va être une canne à la fin. Mais là, attends. Je vais mourir. Ah, en fait, je vais pouvoir enfin accéder à la troisième. Allez.
Mais vas-y, je lui tire dessus là. Il meurt pas. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Et voilà, je suis mort. Je savais que j'allais mourir. Je le savais, c'était trop beau. C'est trop beau, j'ai réussi à faire deux d'affilée. Non, c'est trop beau. Faut que je ne pas en faire les deux premiers. À l'époque de la guerre, l'empire colonial français s'étendait. Je sais pas étendu. Mais non, mais t'es sérieux? Ah, mais c'est abusé. C'est pas très loin de la fin, hein. Allez, à l'attaque! On a coupé la session. On est mort. Ah, c'est une baisse. Je vais mourir encore. Allez, mais cassez-vous, barrez-vous. Bon, sinon, dans le camion, comment t'as passé ta semaine? C'est bien passé? Voilà. C'est bon, allez. Compliqué, il est temps que je prenne des vacances. Arrête tant que ça. Maintenant, moi j'aurais dû être en vacances au mois d'août, et ben toi je suis en vacances maintenant. Non, c'est bien. Je suis en vacances depuis mardi 15h30. Les vacances forcées. Reculer les ennemis. C'est lié à la quatrième et troisième, quatrième personne qui est arrivée sur l'aide. Allez-y, installez-vous, n'hésitez pas à papoter, à poser toutes les questions que vous voulez. On est là avec Don Camillo, un des plus fidèles au poste, le plus souvent. Là. Aïe, non mais dépêche-toi. Moi je vais me dire dépêche-toi. C'est nouveau la réduction d'explosifs à son rythme. Ah mais oui, mais là c'est Riggs dans les années 40. On a eu Riggs pendant le monde post-apocalyptique, on a eu Riggs pendant les années, pendant la première guerre mondiale, maintenant on a Riggs, oula, j'ai versé mon grenade moi, mais carrément, je suis fou, comme Riggs d'ailleurs, on a Riggs version 39-45, t'arrêtes de me danser toi. Bien. Mais non mais test, toi, oh là là. Et il va arriver combien là? Une fois, au bout d'un moment, l'armée à main, elle aura plus personne. Hein. Allez,
Au moins ton arme semble. Attends, j'arrive pas à lire. C'est plus efficace que sur Battlefield. Ah oh, ouais, non, mais c'est une horreur. Battlefield 1, pour tout dire, je rappelle même pas. Eh, je tire à côté, en tout cas, toujours. Je tire toujours aussi bien que dans n'importe quel jeu. Les trois quarts des balles que je tire sont à côté. C'est bon? Non mais au bout d'un moment l'armée allemande elle a perdu là. Notre moins le 500e soldat que je dois éliminer depuis le début. Malgré tout que Hitler arrive, je le tue, on a gagné. Mais ils ont une machine à popper les Allemands ou quoi? C'est pas possible. Ça aura plus en une zone, ça va. Ça y est, je peux avancer. Ouais, voilà, ouais, c'est parce que sinon, les mains, il y a encore. Mais baisse-toi! Possible, mais attends, j'en ai tué combien là? Oh, je suis sûr que j'ai éliminé toute l'armée. On n'a plus besoin d'aller à Berlin, ça y est. On a gagné la guerre. Bon. Ah mais c'est là en plus que je l'avais. Cool. Attention. Il va rester Papa Schultz. Oh putain, Papa Schultz, c'est vieux ça. J'ai plus trop le souvenir de Papa Schultz par contre. J'étais un peu trop jeune à manier. Quand ça passe. Bon, on va tracer parce que je pense que c'est normal avec ça. Je leur fais plein ce coup. Non mais bien sûr je me compte de tous, vas-y. Trouvera assez humoristique pour l'époque. Ah oui, non, mais je sais, non, mais je connais. Mais j'ai connu Papa Schultz. Ça passait le midi sur, sur M6. Mais voilà, c'était plus. Déjà, c'est plus trop ma génération. Mais c'est vrai, j'aimais bien comme ça. Comme ça, c'est assez marrant. Comme ça, c'était assez marrant. Mais ça racontait l'histoire de prisonniers américains qui étaient dans un camp allemand, mais qui faisaient mais leur life, quoi, dans leur. Dans le camp quoi, ils sortaient comme ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le camp. Ils en avaient rien à carrer des soldats allemands, mais alors on m'a rien. Ils en avaient rien à péter, alors ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le camp. Je crois que même ils partaient des fois en mission secrète et tout, pour les alliés, et ils revenaient mais tranquille. Ok, LM, ils revenaient tranquille. Ils fumaient leur life quoi dans le camp de prisonniers qu'ils étaient. Ouais, c'est magnifique ça.
ça a pu être une parodie du film La Grande Évasion, je trouve. Ah, mais vas-y, je te prends dans le mur ou je vais à côté, quoi. Allez. Exactement ça. Ah, mais là, j'ai une mine fermée, quoi, ici. Même plus qu'il sert, quoi. Non, non! S'énerver. Faut pas s'énerver sur ce jeu. Faut pas, sinon j'ai balancé la manette. Mais c'est pas possible, j'en peux plus ton chat, c'est rien, tu vas te mettre un cul, écoute-moi. Ah, là, j'en peux plus. Ah, j'y suis depuis hier soir. Deux fois des grenades, ouais, des grenades, j'en ai trois. Ah, déjà que j'en ai 3 heures à détruire ce machin là, parce qu'il me faudrait 2 explosifs à chaque fois. J'utilise à chaque fois j'utilise une grenade et de la dynamite. Là, mais le problème qu'il y a dans ce jeu malheureusement, c'est que c'est des hommes fermés en fait. Je sais pas comment expliquer. Là par exemple, tant que j'ai pas atteint mon objectif qui est là, hein, c'est donc d'éliminer ça en premier, je ne peux pas monter en haut. C'est-à-dire là-haut, je ne peux pas y aller. Sinon je me fais désynchroniser. Voilà. Par contre, eux les ennemis qui arrivent d'en haut, ils peuvent me tirer dessus. Je sais pas, je comprends pas, moi je comprends pas la logique là du jeu. Parce que moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait d'abord le tour de la carte pour éliminer le plus de monde. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai détruit les canons anti-aériens. Mais franchement, de nous faire ça, c'est-à-dire de nous sectionner quasiment par zone, ah, je trouve ça débile, mais alors, d'une force. Non, après au bout de moi je vais y arriver là, mais je vais péter quand même. Après le jeu il est pas bien long donc j'ai du mal à recharger. Moi je ne fais pas de mode multi, donc le jeu va être très court. Je me prends de touche, mais vas-y. Allez, laisse-moi. On attaque le cadeau suivant. Allons-y. Ouais, c'est 9 MJ. On va essayer de faire vite directement là. Deuxième, on va pouvoir avancer sur le troisième. On va passer par là. On va changer de stratégie. Je vais essayer de prendre un revers, on va essayer de passer par devant. Est-ce que
c'est la bonne stratégie que je fais, je ne sais pas. Mais là, au point où j'en suis, je tente. Pas si bien encore. Galère. D'accord, je tire sur le mur, moi. Je suis mort. Aïe, aïe mon pied. Voilà, même cette stratégie ça marche pas. Non, mais ça va m'énerver là. Oh les gars, ça fait 28 minutes qu'on est en live, on est toujours sur le même passage. D'habitude la vidéo dure 50 minutes, mais là elle va durer 25 minutes de plus. Ça va un peu plus me rouler. Ah mais les gars, je vais péter un câble là. Ah, attends, je vais essayer un truc. Ok. Fallait pas essayer ça, parce que c'était pas une bonne idée. Mais, allez, là, je pense que j'ai mis. Le tank il est vite rechargé. Hein. D'accord, et en fait il va se mettre une balle, ok. Je pense qu'en toute chose il faut éliminer les mitrailleuses pour chaque progression. Ouais je sais, mais c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais je me suis fait bloquer. En fait, il faudrait peut-être que je passe d'abord par derrière, là, ici, que je les contourne par derrière. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais servir de mitraillette, du coup.
Ah, mais vas-y. J'ai plus de vie. Si, si. J'ai craqué. Ne pas s'énerver sur ce jeu. Je pense que je vais aller trop vite aussi, peut-être. Je te souhaite bon courage, Rixa, putain. Merci, donc, Kevin, merci de passer. Mais écoute, si jamais tu es libre ce soir, tu sais que tu peux aller, hein, parce que je serai en live ce soir. J'en ai marre, arrêtez de me tirer dessus. La position antiaérienne 3. Allez. Ah mais quand j'ai popé juste en face de moi. Dépêche-toi. Ah en fait faut que je m'occupe de s'intéresser quand on tire rien quoi. Faut que je m'en occupe. Dès que j'ai éliminé la mitraillette, il faut que j'aille m'occuper de ce canon. Je peux pas rester en fait, parce que ça arrête pas de... En fait, j'ai l'impression que c'est un bug, ça va être un bug, ou alors c'est comme ça. Tant que t'as pas fait ton truc, ça continue à popper. Mais je trouve ça débile en fait. Je suis désolé, mais alors là, franchement... Déjà, honnêtement, je le portais pas haut dans mon cœur le jeu, mais alors là, franchement, il descend encore un peu plus. Ah,
pas quelqu'un qui va abandonner. Ah, je suis pas 40 000 balles dessus. Je suis pas quelqu'un qui va abandonner. Hein. Loin de là. J'aurais eu quelques années, ouais, je pense que si, j'aurais lâché tout le monde. Mais là, je suis quand même trop curieux pour voir la fin. Allons-y. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça pop à la chaîne quoi. Tant qu'on n'a pas accompli un objectif, ça va encore tuer la poupée. Ah, il est là-haut. Faut pas me dire que là je ne touche pas quand même. Position dans les facs. Mais je connais la position des facs 90. Ah bah Louia. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne?
est-ce qu'on va rester là ou bien battre en retraite? Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils attendent à nous voir? D'accord, on va prendre ça à d'assaut, ok. À nous tout seul. La base à la main du château. Mais tu es fou, quoi? Les Français n'arrivent pas à battre ces fins à Chumiac, ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Ah, mais non, c'était... Ça me plaît bien ce que tu dis, là. C'était les tirailleurs sénégalais, il me semble. Et pas marocains. Je crois que j'avais dit marocains ou tunisiens. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ceux qui m'ont dit de faire métier à une fusée, on sera à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. Ok, et je dois faire quoi? Trahiser la défense du village. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, okay, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. La mort ou la tchétchè. On dirait quelqu'un que je connais. Attends, mais j'ai comment pour les neutraliser? J'ai rien, moi. Ah, bien sûr, pour la divinité volante. D'accord. Ah, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Ok, donc il nous faut d'abord des bombes. Deux. Oui, il vient d'apparaître. Non, vous voyez pas. Super. Je
Ah, mais tu veux faire ça comment? J'ai été discret, personne ne m'a vu en plus, mais vous êtes sérieux? Guerre, une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. Ok, le premier char il est là, le deuxième il est là, le troisième il est là-bas, et ça c'est l'antenne. Là il y en a un mec qui dort et l'autre il est il est par là-bas je crois. Voilà. Mais de là. Là, l'antenne radio qui est juste ici. Pardon. Ça peut être. Ça passe par là-bas. Comme ça. Soldat allemand, toi devant. Voilà. Je comprends pas. Ou alors je devais rien faire. Peut-être je dois d'abord enlever la défense du village, c'est-à-dire éliminer les trois trucs. Je sais pas pourquoi je vais faire pour les éliminer, ces engins. Une grosse machine dégueulasse, sans répit. Sans pitié. J'en ai marre de ce jeu. Une fois dedans. Ah, mais c'est même plus amusant, le système est totalement pourri. La mort ou la survie. Thank you.
J'arrive pas à comprendre comment on peut avancer. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas, Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Tu vas pas me dire qu'ils vont me repérer là, parce que franchement, ce serait du vide. Voilà. Qui fait ses besoins. Putain, bouge pas, bouge pas. Voilà, c'est bon. Vas-y, qui me voit là? Oui, là, c'était là. Ben voilà, moi je me suis tué, c'est bon. Ah, ça m'a saoulé là. Ah, j'en peux plus là, j'en peux plus de ce jeu. Ce jeu commence vraiment à me souvenir. Franchement, le système là qu'ils ont, mais. Une grosse machine. En plus, là, je suis tout seul. J'ai trois grosses machines, mais j'ai rien comme arme. Une fois j'ai rien. J'ai même pas un lance-patate ou quoi que ce soit. Je demande pas d'avoir grand chose, mais juste, putain, donnez-moi un truc quoi. Ouais, ne mettez pas que trois malheureux trucs de bâton d'humanité, quoi, ça va pas servir. Ah, tu m'as pas vu, c'est bon, allez. Empêcher les 43 arrivent.
vers toi, vite, vite. Capturer le baston, ouest. Allez. Vous me voyez quand je tire dessus, il esquive les balles en fait à la matrice, mais... Non mais ça déconne. Ouais, ça me fait rager ça. Ça me fait rager. Ouais, ça y est, j'ai les nerfs. À l'époque de la guerre, l'Empire colonial français, j'ai pas eu de balles. Ok. Ouais, on a déjà avancé, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai jamais eu autant envie de finir avec un jeu qui m'a pas sur la suite. C'est qu'après il me reste encore le 4 encore à faire. Oh là là. Ça va être drôle. Allez,
c'est déjà mieux. Il a pris juste à côté de moi. Tu vois, c'est magnifique. Au lieu, oula, je vais aller vers moi. Mais pousse-toi! Encore à peu près de live, ouais. Enfin, encore 10 minutes après, je m'arrête. Mais pff, ça m'a saoulé là, ça y est, j'ai un peu plus là. On va ouais, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de terminer le jeu. J'ai jamais aussi, eu aussi hâte de finir le jeu vidéo qu'un Battlefield. Franchement, pour l'instant, honnêtement, j'en ai fait. 3, du coup, quand on est sur la 3, Battlefield, c'est que j'ai plus aimé Battlefield Marine parce que c'était sorti un peu plus hors du jeu. Voilà. Tu peux rien faire quoi. Et pourtant, ça parlait pas de première guerre ou de seconde guerre mondiale, et franchement, c'était lui auquel je me suis plus éclaté à jouer. Il y avait plus de gameplay, il y avait plus d'initiative, on va dire, qui est un peu ah là, je suis désolé, mais là, il n'y a pas d'initiative, et que dalle. Ouais, je pense que c'est Battlefield 5 pour pouvoir s'excuser du mauvais Battlefield 5. C'est pas si mauvais que ça, hein, mais... Parce qu'il n'y avait pas de français dans la première guerre mondiale. C'est comme ça, en plus le jeu il est bugué, quoi. Je suis désolé, il est bugué le jeu. Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé là?
Encore on avance petit à petit, hein. Attention, je ne rage pas parce que je suis très mauvais à ça. Je suis très mauvais. Je rage parce que c'est d'une difficulté hors norme pour du normal. Déjà, je trouve ça pas normal, c'est aussi dur que ça. Et puis, je suis désolé, mais t'as des galpés. Ouais. Soit ils veulent le faire rendre réaliste, soit ils le font pas du tout. Soit ils le laissent plus arcade. Les Call of Duty, ce qui était bien avec Call of Duty, c'est que à chaque fois, c'est ce qu'on nous volait. Là, je suis désolé, mais là, je suis pas tombé dedans. À part quelques séquences qu'on a pu voir, que je trouvais ça assez ouf. Mais pas au niveau graphique, mais attention, je parlais au niveau juste du contexte historique. Parce que déjà graphiquement il est pas ouf. Hein. C'est pas... Ok, j'ai vu ce qu'il m'a fait. Ok, c'est parti! J'ai pas pris, punaise! On doit se débarrasser de ces canons. Ok, 1 sur 2. Il faut qu'on soit fort. Ce sur 2, c'est bon. On va capturer maintenant le château et le drapeau. Mais vas-y, là, ils sont tous là. Mais baisse-toi. Ah, mais c'est relou ça. Ah non, il y a lui. Ouais, mais vas-y. Oh, le mec, je lui tire, je sais pas combien de balles dessus, il crève pas quoi. Mais il faut que je lui fasse quoi, que je lui vide mon chargeur dessus. Ah, ça me... Non, mais ça me fait rager ça. Ça va, je suis pas obligé pour refaire, je suis content. Ça me fait rager. Non, si t'élimines en deux coups, deux temps, trois mouvements. Après, c'est normal qu'il t'élimine en deux temps, trois mouvements. J'ai pas dit le contraire. Attention, je dirais pas le contraire. Mais punaise, je sais même pas où ils sont. Laissez-moi les voir quand même avant qu'ils m'attaquent. Je sais pas, faites un point, un signe, vous savez, que je peux au moins peut-être réagir.
c'est bon. Il y en a encore un autre. Mais c'est pas vrai. Pouah, mais c'est pas possible. En plus, il y a comme une carême ce personnage. Bon. Dernière tentative. Et après, je m'arrête. Rien que je continue. Enfin, je vais tenter encore une dernière fois. Je vais tenter une toute dernière fois et après je vais vraiment m'arrêter parce que là sinon je me lance tout pour la fenêtre. Je suis capable. Alors. Mais vas-y, j'ai le lance-face qui arrive, punaise, mais c'est pas vrai ça. You, mais c'est pas vrai. Viens là chez moi. Ah voilà, je peux même pas plus me régénérer. Bon, ben vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que là ça m'a saoulé, ça y est. J'ai rien pu faire. C'est arrivé, le temps que je pop, ça y est, il y avait déjà 3 soldats sur moi. Punaise, ça m'énerve. Un coup ils y sont, un coup ils y sont pas. Un coup il est là, un coup il est pas là. Non, sans déconner les gars, on refait pas de jeu là. Il est pourri. Mais ça me fait rager ça. 2020. Le lance-femme, un coup il est là, un coup il est pas là. Alors c'est peut-être moi qui vais trop vite aussi. Et punaise, mais c'est... C'est quoi, partez à l'attaque sur moi et jouer avec cela, je vous dis. Allez, salut. Bon, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai bien ragé. Merci à Docamio d'être passé, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un sur les lives. Quant à moi, je vous donne... si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Lâchez le pouce bleu de l'amour, qui fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Geek City ou Mad City, je vais encore vous cliquez sur rejoindre plus la quest, pas trop courant, une dernière nouveauté. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve ce soir à partir de 21h, peut-être 21h30, sur Twitch pour la suite de Battlefield 5. Je n'en peux plus. Allez, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.